Ça t'as-tu passé par... T'es un gros, gros fan d'humour? Ça t'es-tu déjà passé par l'idée d'en faire? Souvent, parce que, tu sais, mettons, justement, avec Marteau, tu sais, Marteau pis sa femme, il me niaisait tout le temps. Il disait, ah, Carl Maurice de la relève, tu sais, il me présentait de même, parce que souvent, je déconne pis j'aime ça, tu sais. Souvent, mais on dirait, j'ai jamais eu le gars, tu sais, pour... j'allais avoir gros, pis des fois, quand, mettons, j'allais à Trois-Rivières voir les soirées à Roof, pis mettons, qu'il y avait du monde moins à l'aise, pis là, qui se plantait, je me disais, oh, tabarnou, j'aurais de la misère à vivre avec ça, là. Ah ouais? Tu sais, quand je voyais le monde là, se faire ramasser, tu sais, ouf. Moi, c'est ça qui m'a convaincu, c'est voir du monde se planter. Ah ouais? Oui, pour vrai. Pour vrai, parce que j'ai vu, j'étais allé voir, j'étais eager, j'étais allé voir beaucoup de open mic, puis j'ai vu du monde se planter, puis à la fin de la soirée, c'était pas plus grave que ça. Je sais pas si tu comprends. Ah, OK. J'ai fait, ah, c'est ça, se planter, c'est juste ça, il y a juste, OK, c'est parce que son matériel t'es pas fort, mais il y a juste à retourner travailler, il va c'est revenir. Tu sais, c'est comme, il y a pas de monde qui ont ri de lui, il y a pas de monde qui ont fait, tu sais, les gens dans un open mic qui ont fait, bon, ben, il a manqué son coup, c'est tout, mais il y a personne qui fait comme, ah, il a calice, il a gâché notre soirée. Ah. C'est juste, ben non, c'est un open mic, puis celui-là, il était pas bon pour tout ça. Le Bible, ça dit, si tu te pètes la gueule à une soirée, il y a juste tout qui va t'en rappeler. Ouais, je l'ai, le livre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, tu l'as comme Ouais, je l'ai parce que ben, l'année passée, Charles qui animait, voyons, Charles, j'ai oublié, Charles-Olivier. Saint-Cyr, ça se peut-tu? Charles-Olivier. En tout cas, c'est lui qui animait à l'évasion. J'oublie son nom, je suis désolé. Mais il avait offert au public, si vous voulez, d'en faire 5 minutes, tu sais. Puis là, je dis, ah, ok, mais moi, je m'essaye. Mais là, on dirait, vu que c'est dans ta ville, je suis comme, oh my god, je suis tout le temps là. Si je me plante, je vais me faire ramasser, tu sais. Ouais. Ça m'a, j'ai choqué. Parce que, tu sais, mettons, à la radio, je me dis, ah, au moins, vu que tu parles, tu sais, t'as pas trop de feedback. Tu sais, des fois, tu te fais ramasser par après, mais tu sais, c'était pas si pire. Mais ah ouais, ça m'a tout le temps tenté. Je me disais, à un moment donné, il faudrait vraiment que j'essaye, là, tu sais. Le un des plus beaux trips que j'ai vécu, là, tu sais, mind you, je reviens de Paris. T'es une alarme. Toutes les fois que tu dis je reviens de Paris, ça fait sting. Mais un des plus beaux trips que j'ai vécu, là, puis j'en ai fait des affaires avec Mike, là, tu sais, je veux dire, on a Val d'Or, Gatineau, j'ai fait des tournées, on est allé en jet privé, on est allé. Ouais, ouais. Un des plus beaux trips que j'ai vécu, c'est qu'on a fait un podcast ici. Je venais de mon studio était en pleine construction, tu voyais, tu sais, comme c'était encore des tables IKEA, c'était même pas ce desk là. Puis j'avais Jerry Sitt, puis Mike était venu nous rejoindre, puis on avait fait un podcast ensemble, une espèce de crossover WhatsApp Daily Buffer. Puis après, on était allé faire la soirée à Sam Vigneault. OK. Ouais, en fait, c'est Jerry était ici parce qu'il a dit, hey, je m'en vais faire la soirée à Sam Vigneault, je pourrais faire ton podcast, puis après ça, aller à la soirée, c'est pas loin, ouais, ouais. C'était à Paris, c'était à... Plessisville, ouais. Qui est à peu près, je sais pas, 25 minutes d'ici. Fait qu'il dit, tu pourrais venir avec moi si tu veux. Fait que là, Jerry dit, ah ben, il dit, attends un peu, il dit, veux-tu que je demande à Sam s'il pourrait te donner te squeezer un petit 5 minutes? Fait que là, je dis, ben Chris, oui, certain. Fait que là, déjà, on était bouqués. Puis là, ben, Mike, je pense que c'est Mike qui nous a appelé. Puis j'ai dit, ben Chris, viens nous voir. Moi puis Jerry, on est là. Viens, on est sur le point de partir un podcast. Il est venu nous voir, il a fait le podcast avec nous autres. Où je me demande s'il n'est pas arrivé pendant le show. Mais toujours est-il qu'il était là après le show. On a fait, hey Chris, on s'en va faire un peu d'humour à Plessisville, la soirée de Sam Vigneault. Tu veux-tu avoir une place? Fait que je dis, ben, pourquoi pas? Aïe, aïe. Fait que Jerry a appelé Sam Vigneault. Sam Vigneault, il a fait, ben Chris, oui, Mike Ward sur ma petite soirée. Malade, ouais. Fait que on est monté là. On a passé une hostie de belle soirée. J'étais là aussi. T'étais là? La soirée. C'est cette soirée-là? Oui, oh, oui, c'est vrai, t'étais là. Puis on jasait en bas. Il y avait une table avec des boissons puis de la bouffe. Puis on jasait avec tout le monde. Les gars, t'as faim, c'était tous des jeunes. Ça, au Jackalop. Au Jackalop, c'est ça. Puis Mike était de bonne humeur. On est revenu, il était chaud dans le char. Ah, malade, ça. C'était vraiment cool. Un petit beau trip de genre... J'aime ça des affaires de dernière minute de même. Tu sais, des affaires de... On le fait. Moi, j'avais essayé, j'ai demandé à Michel, quand on a booké Daniel Grenier pour le corpo à ma blonde, j'ai dit à Michel, hey, Mike est à Victo, cette date-là. Mettons qu'il me restait 2000 de budget, mettons qu'il donnerait 2000 piastres, pourrais-tu venir dire salut? Là, Michel était comme, non. Ouais.
T'es comme, t'auras pas Mike pour 2000$. OK. Ah, mais là, Chris, tu me fais douter. Ben, peut-être qu'il m'a dit oui juste parce qu'il était pas capable de dire non. Non, j'espère mais Mike, qu'il a trippé. Soit Mike, il aime ça pour vrai parce que quand j'étais. Mike, il a dit soit que tu me payes le plein prix ou tu me payes pas pantoute. Ben, il a déjà dit ça en entrevue. Quand j'étais allé le voir à sa maison à Deschaillon, j'avais vendu des choses que Mike voulait. Puis, qui est pas des pellules, là, vu qu'on a parlé. En le disant, je me suis dit, ça sonne louche. En tout cas, là, il me disait, ah, écoute, j'irai à Victo, puis à m'emmener à la soirée, j'arriverai demain, puis je ferai un peu de temps, je te le dirai. J'étais comme, hey, il tripperait, c'est sûr. Fait que d'après moi, lui, tu sais, c'était un passionné, là. Ouais, ouais, ouais. Hey, j'étais là la première fois que Jer et Mike se sont jasés. Pour vrai, raconte. Jer avait un open mic, je me rappelle plus le nom du bar, à Montréal. Puis l'open mic à Jer, en plus, avait la réputation de « t'as jamais de public ». Genre, le seul public que t'as, c'est les humoristes pis tout. Puis à un moment donné, Jer, j'étais assis, ben, pis genre, Jer commençait. C'était où? Je me rappelle plus du nom du bar, tabarnak. Je suis même pas sûr. Mais c'était une soirée dans un bar. Une soirée open mic dans un bar. Une soirée open mic dans un bar. Puis le monde joue aux machines à sous en arrière. T'entendais Rodjin sur stage pis tout. Puis là, je me répète, je suis assis dans le bar, pis là, Jer est là, pis là, je fais, je check Jer, c'est que je pense? Pis là, Jer fait, Mike était rentré, Mike, il rodait un roast de Laurent Paquin. Ah, OK. Là, Mike vient voir, il dit, c'est qui s'occupe de la soirée, là, Jer, c'est boy. Hey, ça t'arrangerais-tu bien gros si je ferais un 5 minutes? Ben non, tabarnak. Je me rappelle, là, Mike était sous stage, pis là, Jer était en arrière, pis il broyait presque. Hey, Mike Ward, c'est ma soirée, calice. Ah, c'est donc ben cute. Wow. Moi, une des fois, j'avais été bien chanceux, justement, avec Martin, on est allé à Vegas avec Mike. Tu sais, c'était leur première fois qu'on est allé voir un des derniers combats de GSP contre Hendrix. Ah, ouais, OK. Puis j'étais là, tu sais, j'avais la chance. Martin me dit, hey, tu viens-tu à Vegas? Mike va être là, Fallu, Wagner. Il était une méchante grosse gang, là. Tu sais, là, je vois là, Mike était assis direct à côté de moi, puis ça faisait. Je l'avais vu une fois ou deux à la radio, mais tu sais, on n'avait pas eu le temps de se parler, là, j'étais assis à côté. Puis là, Mike, il a bu toute la journée, tu sais. Là, à un moment donné, il me dit, hey, ça dérange juste si je m'accote sur toi? Moi, je suis comme, non, non. Là, il dit, beau jeune homme. Puis il dort. Hey, t'as un problème. Wow. Moi, tout, j'étais chaud, mais j'étais comme, c'est irréel. Fait que là, il dormait sur ton épaule. Ouais. T'avais Mike Ward qui dormait sur ton épaule. C'est si que c'est drôle. Hey, j'aurais aimé prendre une photo de ça. Là. Il était comme, il s'est à côté, puis il était comme, beau jeune homme, ça va être correct. Ah, tabarnak. Non, c'était super. Un moment donné, il se ramasse sous un sous-écoute, puis on finit en haut. Puis c'est rare que je reste longtemps. Moi, j'aime pas ça traîner avec les images. Tu sais, les images sont sur un disque dur, là, tu sais, là. Fait que après un show, j'aime ça m'en aller chez nous, puis de toute façon, tu sais, ça finit souvent tard. Mais je sais pas pourquoi, j'étais resté un peu, puis on s'était, puis Mike, il avait bu, mais moi, j'avais juste, tu sais, j'avais pris un petit verre, mais j'avais veillé, puis avec eux autres, puis à jaser. Ma mère, il s'était ramassé chaud en tabarnak. Puis là, ben Michel, je vais aller le porter, parce qu'actuellement, c'est Michel qui fait le transport pour Mike, tu sais. Fait que je dis, hey, Michel, si tu veux y aller, là, parce que Michel, Chris, il dort 2 heures par nuit, Michel, là, tu sais, là. C'est pas parce qu'il se couche à 3h du matin qu'il va se lever plus tard le lendemain. Lui, ah ouais. il se réveille à, je te jure, 5h du matin. Peu importe le pays dans lequel il se lève, puis il est déjà sa go, puis il se couche tard. Là, là. Fonctionnel pareil. Ouais. Fait que je dis à Michel, je dis, hey, sais-tu quoi? Vas-y, puis moi, je vais le ramener, Mike. Fait que Michel était parti. Fait que là, moi, j'étais avec Mike, puis j'attendais Mike. Puis à un moment donné, Mike, il fait, bon, on va y aller. Hey, il était chaud. Il était chaud. Fait que c'était dans mon. C'était quoi, c'était ce petit truc-là? C'était mon Jeep. Le BM? C'était-tu le BM à Mike? Non, c'était quoi? Non, c'était mon Jeep. Compass. Compass. Ah oh, oui, mon Jeep Compass. Puis là, j'avais oublié de payer les plaques. Fait qu'il était plus plaqué. Fait que là, j'embarque Mike de peine et de misère. Puis là, il fait comme. Fait que là, il est dans le char. Il est chaud, raide. Il y a de la misère à se tenir. Puis là, on s'en va. Là, sur le pont, je me fais arrêter. Là, où est-ce que la petite bâtisse, tu sais, sur le pont, genre quartier, il y a comme une espèce de bâtisse. Ouais. Où est-ce que. Fait que je me fais arrêter drette, là. Fait que la police, elle vient. Là, je fais, hey Mike, juste te dire, je me fais arrêter. Fait que, il dit, ah ouais, il dit, c'est-tu correct si je dors pendant ce temps-là? Fait que là, il tire sur son banc, pis il se couche. Pis là, j'ai fait, oh fuck!
C'est de valeur. C'est, là, j'étais là, calice, c'est donc ben plate qui se couche. Peut-être que si oui. la police l'avait vu, tu sais, fait que j'étais là, ouais, ben, j'étais avec mon ami. Weekend chez Bernie, tu le penses?